is Odell, and I am a deep sea diver. Though I don't get my thrills from the catfish in China, I've had a thousand dreams, so many I have dived on, but still I'm all alone. Can't you see? Pour moi, c'est drôle parce que quand je suis arrivée en France, je savais il y avait quelqu'un qui jouait Café de la Danse, je pensais, oh, c'est un gros artiste ça. Ça, c'est un gros artiste. Donc pour moi, c'est plutôt le lieu que je pensais les gros artistes. Ils commencent. Ça, c'est le premier gros artiste, hein, salle pour moi. Donc pour moi, oui, j'ai beaucoup. Ça me touche quand je joue ici le premier date un peu plus gros, toute seule. Allez, David, c'est bon, on se met pas la chaussette, là. Mais vas-y, il faut que je chauffe. Pardon. Les 12 sont 12. Fixing parachutes, she's sick of her own sweet excuse. Tired of wearing feathers as she gets caught in the rain. She's tired of fixing leaky roofs with paper bags and plastic spoons. Tired of wearing feathers as she gets caught in the rain. She says, me, I'm set and pretty on a highway in my head. Where the butterflies all pass that time, sleeping with the dead. Quand j'ai reçu ton EP, Pauline, donc ton attachée de presse web, elle m'a dit, mais Boris, mets l'album dans les bureaux de Troisième Gauche, vous allez voir, tout le monde va être heureux, ça va être... Est-ce que c'est pas un peu ça, le but de ta musique, de rendre les gens heureux? Oui, c'est ça, c'est très simple. Et surtout de me rendre heureux aussi, de voir qu'avec n'importe quelle expérience, on peut se transformer dans une façon de beauté, de joie, de happiness, n'importe quoi, mais on peut toujours prendre un recul sur n'importe quelle circonstance et trouver un peu de l'humour au pire. You know? Tu privilégies beaucoup l'acoustique et les rencontres avec ton public d'une manière acoustique ou d'une manière électrique. Je veux bien qu'on se retrouve dans un lieu un peu intime, comme tu as vu dans la rue. Voilà. Ça, c'est mon truc, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on peut tous être ensemble comme si on était dans un salon de 10 personnes. Tu fais aussi beaucoup de concerts sauvages. Ouais. Tu peux me raconter un peu le principe d'un concert sauvage d'Anadea? C'est quoi? Il n'y a pas un principe. Voilà, le principe, on arrive, on joue. Et au début, c'était à cause de cette lente, que toutes les choses étaient trop lentes, à mon avis. Parce qu'il faut attendre un mois pour rejouer à Paris. Et ça m'énerve.
ça m'énerve, je veux jouer. Les musiciens, on a besoin de jouer, les gens, ils veulent écouter. Donc pour échapper à tout le paperwork, on a décidé de le faire nous-mêmes. Like to invite you to my lighthouse. Show you boats and ooh, you like the sailor suit. The early morning street cleaners cleaning streets, red lights wide awake until the combat at the season. On te voit souvent dans les prestations super énergiques, en contact avec le public. C'est, comment tu entretiens ce rapport avec le public assez, assez fort, quoi. C'est vraiment léger. J'ai pris la vie et la musique trop sérieusement dans ma vie avant. Et là, c'est pour jouer et aussi pour montrer subconsciemment qu'il n'y a pas la barrière qu'on met. Parce que quand tu es dans un public, tu mets une barrière. Lui, eux, ils sont là-bas et nous, on est ici. Et le fait que ça n'existe pas, mais ils ne savent pas que ça n'existe pas, si tu le traverses, ils comprennent qu'ils pourraient enlever cette idée un peu. Dr. Brown, I'm an open heart surgeon. No under my gown, well, my blood has been a surgeon. And I've had so many hearts that seem to be a journey. Yes, hell, I'm out alone. I want it to be the inverse of what's there right now. What? I want it to be completely inverse de ce qu'il y a ce soir. I want it to be like completely. Okay. I'm just gonna go a cappella, it's a statement. You must understand, every night I make my statements. No, you're good. You're good. It's pretext. Voilà. Whatever Farid says. Ah ouais, non, mais il y a des trucs bizarres parce que c'était des trucs. Très bien! Pénis. C'est quoi le climax de ton concert, le moment où on va dire le public est vraiment le plus à fond et vous aussi? Ça dépend, parce que vraiment quand je fais avec quand on fait avec n'importe qui, bon, bien sûr les gens ils pensent oh deal blablabla, mais et tu peux avoir un moment très silencieux qui est sublime, mais ça dépend, c'est plus rare, c'est plus facile avec les choses énergiques. Si on réussit à voir ça grâce au public, ce serait super. Si on pourrait toucher toutes les émotions qu'on offre et tout le monde pourrait être d'accord avec, ça serait top.